chanson vient avec nous, les Pinigas. Que Bella vienne ici à Pigny. Je trouve ça injuste que les étudiants ne puissent pas aller aux événements cool. Pourquoi Sam et Will sont les seuls autorisés? Regardez ça! À seulement 26 ans, le top modèle Bella Lima fait partie du top 5 des meilleurs créateurs à New York. Quel est son secret? Peut-être que ses ailes ont des méga pouvoirs surhumains secrets. Ou peut-être qu'elle a juste beaucoup de talent. Ah, évidemment. Qu'est-ce qui se passe, Dory? Je l'ai vue dans le hall. Bella Lima est arrivée. Ah, où ça? C'est pas vrai. Ça fait des années que je rêve de ce moment. Vous êtes sérieux, Monsieur Grasso? Voici une de nos nombreuses salles de couture. Veuillez excuser Monsieur Grasso. Il essaie juste d'être poli. Ce n'est pas grave. J'aime ça. C'est un honneur de vous recevoir, Mademoiselle Lima. S'il vous plaît. C'est juste Bella. Eh bien, Bella. Mademoiselle Lima, si ça ne vous gêne pas. Ok. Oh. Mademoiselle Lima, cette salle est à votre entière disposition. Médiocre. Pauvre fille. Ceci est une insulte à la mode. Allons, Grasso, debout. Mademoiselle Lima, attendez. J'ai de meilleurs dessins à vous montrer. Échec et mat. C'est un jeu de dames, Tasha, pas d'échec. Le plateau est le même de toute façon, alors. J'ai gagné. Voyons voir. Oh, parfait. Oh, ça alors. Les filles, regardez. Ce dessin ne vous rappelle rien par hasard? Comme quoi, par exemple? C'est juste une robe super cool et branchée. Bien sûr qu'elle est cool! Mais c'est pas ça le problème! Ce sont mes dessins! Vous êtes aveugle! Regardez mieux que ça! Bella Lima a le plaisir de présenter un avant-goût de sa collection à Pigny. Une heureuse étudiante de Pigny aura la chance de défiler sur le podium vêtue d'une des dernières créations de Bella! Ce sera sans aucun doute le grand événement de la saison. Ah! Se faire voler ses dessins. Stop! Hein? Une minute, Julia, qu'est-ce que... Chut, tais-toi, Ornichel. Mmh.
scandaleuse. Il faut qu'on l'arrête. Ne dis pas un mot, prends juste ta tablette et filme-moi, d'accord? Enlève tes mains de mes affaires! Bella! Si c'est bien votre vrai prénom. Vous volez nos créations? Comment vous osez faire ça? Je rêve ou tu es en train de me traiter de voleuse? Bon, et si c'était le cas? Qui croirait une minuscule peste blonde comme toi? Laisse-moi te dire un secret, espèce de ver de terre. Parfois, un phénix doit voler un peu des cendres d'un autre phénix pour renaître. Est-ce que tu penses que je suis arrivée là où je suis grâce à mon talent? Voyons, je ne sais même pas tenir un stylo. Je copie tous les modèles que je fais. Tu sais, en réalité, je les prends en photo et ma mère les coud. Mais la question n'est pas là. Stop! C'en est fini pour vous, Bella! Je vais le dire à tout le monde! Est-ce que tu en es sûre? Merci beaucoup, Monsieur Grasso. Vous êtes mon valeureux sauveur. Une des étudiantes vient de m'agresser sauvagement et de me voler mes modèles. Il y a juste quelques... Tu te crois très intelligente, n'est-ce pas, Bella? Tu as tout filmé? Oui, et j'en ai pas raté une miette. Parfait. Maintenant, tu dois trouver un moyen de nous faire entrer à ce défilé. Pourquoi moi? Je ne vois qu'une seule blonde ici, Ornichelle. T'as vraiment pas trouvé mieux comme idée? C'est toujours mieux que rien, non? Comment t'as convaincu les garçons? Des loups-garous! Ça sera le meilleur reportage qu'on ait jamais fait! C'est clair! Ok, on y est! Est-ce que tout est prêt? Évidemment! Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous présenter notre prestigieuse invitée. Coucou! Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais ici? Oh mince, Will! Qu'est-ce qu'elle a, ta voix? Enfin bref, il est où ton appareil? Je voudrais que tu me photographies en train de défiler pour Lima. Julia va vraiment être trop jalouse. Ne lui dis pas que je te l'ai dit, hein. Mais c'est ton amie, pourtant. Ouais. Mais elle ne supporte pas que je sois beaucoup plus belle qu'elle. J'espère que tu me mettras en couverture demain. Viens, Julia! On n'a pas le temps pour ça. Salut, Will. Content de te voir. Dommage que Julia ne soit pas là. Allez, les insectes, go, 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 go! Vous la connaissez tous. C'est une icône. C'est un ange. Et elle est ici, à Pigny, pour présenter son talent au monde entier. Voici Mademoiselle Lima. Mais, oh, c'est pas vrai, c'est Bella Lima, espèce d'idiote. Un phénix doit voler un peu des cendres d'un autre phénix pour renaître. Est-ce que tu penses que je suis arrivée là où je suis grâce à mon talent? Voyons, je ne sais même pas tenir un stylo. Je copie tous les modèles que je fais. Un phénix, un phénix, un phénix, un phénix. Je copie, copie, copie. Un phénix. Je copie, voler, 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 voler. Je... Non. Mieux que quiconque à quel point c'est facile de filmer avec une tablette, Bella. Alors ça, tu ne l'as pas volé, Lima. Oui, c'est bizarre, mais
Je trouve qu'on forme une belle équipe. La façon dont on a démasqué Bella devant tout le monde, c'était super cool. Je me demande comment ce serait si t'étais moins... Tu sais, toi. Je dois y aller. À plus tard. Ouais, tu dois y aller, ouais. Oh, Julia, je suis désolée. Vraiment désolée. Dory, dis à cet insecte de se taire. Elle a dit...